Une délégation Action mondiale parlementaire AMP rencontré sénateur jeudi dia dans quatre campagne organisation a fait dans pile pays pour parlement ratifier convention Rome sur la Cour pénale là. Secrétaire général AMPA David Donagatine fait connaître délégation a rencontré en pile personnalité tant que cardinal Chibli Langlois plus gouvernement, organisation sociale yo ak ONG yo pour expliquer yo objectif initiative ça. Selon chef délégation, ratification convention Rome a permis l'État haïtien poursuivre devant tribunal pénal international tout le monde qui fait crime dans le pays. Il souhaitait Haïti a ratifié convention qui gagne en pile importance dans la bataille contre criminalité dans le monde. Explication David Donagatine dans micro Vilnia Joseph à Colin Hildorest. Nous sommes ici pour rencontrer le Parlement, les gouvernements, les forces sociales, les ONG, son éminence le cardinal pour parler de la justice internationale. Nous sommes l'Action mondiale des parlementaires et nous sommes à faveur de la ratification de l'universalité des statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Et nous avons écouté l'intervention du président du Sénat ici et toutes les honorables sénateurs qui ont parlé de cet important instrument pour la défense et la promotion des droits de la personne humaine. Et nous sommes prêts à coopérer avec cet Parlement pour fortalecer la haïtienne et la démocratie et la paix et le bon dialogue entre les peuples et les gouvernements. Quel est l'intérêt de la ratification de ce document? En ce moment, il y a une transition ici à Haïti et notre but est de créer les bases pour le prochain Parlement, la prochaine administration de travailler dans le cadre de cette importante traité international. L'action globale des parlementaires, vous prenez des L'Action mondiale des parlementaires est une organisation mondiale. Il y a 1100 parlementaires dans toutes les régions du monde. Ici, il y a notre présidente du Conseil international, Mme Pindichana de Tanzanie, Mme Sederfeld, Margareta de Suède, M. Ronny Monge de la Costa Rica et también, naturellement, votre grand ami de Haïti, le sénateur Julio César Valentin de la République dominicaine, ancien président de la Chambre des députés, avec nous. Après avoir rencontré diverses personnalités haïtiennes, vous allez partir avec quoi? C'est seulement le commencement de notre mission, alors je pense que je pourrais répondre à la fin de la mission à cette importante alors, question. Quel est votre entente? Notre entente est que nous pensons qu'Haïti est un pays qui défend et promeuve les droits de l'homme dans tout le monde. Et nous, vous, Rome, nous désirons que Haïti aussi ratifie le statut de Rome de la Cour pénale internationale.